C'est un privilège pour encore une fois nous parler ensemble avec Philippe Dumoulin. Et aujourd'hui, la conversation prend bien spécifique sur le métier interprète là. Si vous voulez entendre beaucoup plus sur l'histoire de Philippe Dumoulin, comment il a commencé et comment il est sorti au CAI et allé à Port-au-Prince et grandi avec des amis qui t'ont influencé. Vous pouvez regarder la première vidéo, lien exactement en bas là. Mais je dis, nous prenons une conversation ensemble avec Philippe sur le travail interprète là, ou interprète professionnel, comment vient interprète professionnel, et ou même toi avec talent qu'on gagne déjà, peut-être qu'on doit prendre avantage de ça. Non, Pam, Roosevelt, Jean-François, Mabdi, bienvenue dans la conversation ça. Philippe, ça qui passe? Bonjour Roosevelt, comment y est? Ça fait un plaisir encore pour nous capables de rapporter à vous aujourd'hui pour nous capables de continuer dans la même optique là sous question de la langue créole là, et l'opportunité qui gagne dans l'interprétariat. Content, merci à pile, ma super forme. Dis-moi qui, d'abord, le n'a pas les deux interprétariats, ça veut dire n'a pas au moins deux langues. Donc là, nous avons parlé de base langue que n'a pas interprété, c'est créole. Ben nous, plus ou moins fondation que on a besoin pour que ou lançons dans le métier ça. Bon, alors, maintenant, c'est un métier qui très peu connu et qui pas très bien connu parce que concept général là c'est que si le monde parle anglais, il parle créole, donc automatiquement ça permet mon des capacités pour capable venir en interprète. Mais en réalité, ce n'est pas nécessairement vrai parce que en plus le monde bien dix doigts, mais ça pas veut dire que yo capable jouer piano pour autant. Tout le monde gagne deux pieds, mais ça pas veut dire qu'on court un marathon pour autant. Naturellement, l'analogie sérieuse que je fais là, c'est des analogies qui s'adressent sous des faits parce que les gens doivent maton dans tous les deux langues, anglais, créole ou bien espagnol, créole, et puis que les gens n'ont pas nécessairement capable de faire interprétation. Parce que interprétation, c'est premièrement un travail cérébral qui demande une parfaite connaissance dans tous les deux langues, notamment en anglais et en créole. Et en plus de connaissance parfaite, ça, il faut que les gens bon esprit analytique, c'est-à-dire que il faut que mon capable prévoir, il faut que mon ait des connaissances générales, globales dans tous les domaines pour yo capable venir yo interprète. Mais surtout ça qui est intéressant, raison qui fait que actuellement interprétariat c'est une profession qui prend pile essor notamment aux États-Unis, c'est parce que dans le domaine médical et dans le domaine légal, il y a une demande qui est beaucoup satisfait, de maintenant pas satisfait, et en plus de ça, il y a toujours à chercher interprète qui est capable de faire travailler ça. Mais il y a interprète avec interprète. Naturellement, pour venir interprète, il y a des conditions que l'État a établies pour être capable de venir les certifications, qui c'est au niveau médical. Et par État, vous voulez dire, nous avons été en deux États-Unis, et la conversation sera que nous avons fait, nous faisons depuis la Floride. Donc la Floride c'est un état en dans tout pays où les États-Unis. Donc assurément il y a ici un peu partout, il y a ici Chili, il y a ici Bahamas, il y a ici Turks and Caicos, il y a Haïti, il y a ici tout en Haïti. Donc contexte interprétarial est très local, même le il y a ici qui dans territoire qui global. Voilà. Voilà, ben c'est bien ça, mais nous en Floride. Et il faut que moi je dise qu'après la Floride, côté que je parle plus créole là, selon moi-même, et c'est encore Saint-Domingue. Mais alors, comme nous-mêmes, nous naturellement avons une faculté d'absorption de langue, donc ça veut dire que malgré ça, nous devons parler une langue, mais que nous ne pouvons pas parler à un niveau qui est assez suffisant pour capable soit faire étranger à comprendre nous, ou bien encore pour nous capable exprimer nous librement là-dedans, tant que nous-mêmes nous exprimer nous dans la langue qui est créole. Mais là, on mentionne un bagage qui est beaucoup plus spécifique. Là, même si je parle langue, mais les mots dans le tribunal, il y a des concepts, il y a un jargon, il y a une lingua qui est spécifique à la question juridique. Et là, même quand on docteur et que je discute un aspect qui est pour avec moi, assurément, il y a des concepts qui sont spécifiques à la question médicale, pas vrai? Tout à fait. Et moi, capable même par un nouveau exemple, ça t'est arrivé une fois que j'étais en Haïti en visite et mon te connaît que j'étais un interprète et puis à brûle sur point,
yo mande mwen, bon, ben comme là, et puis le marié lui-même, monsieur papa, il est anglais très bien, mais pour que soit pas interprété pour lui. Et le mwen dit non, que mwen pas de capacité pour mwen faire. Mwen qui était avec moi, yo gade mwen façon perplexe, pour yo mande, mais sous son interprète, comment fait pas capable d'interpréter? Mwen son interprète. Certification mwen, li centré sous interprétariat médical et interprétariat légal. Donc, il faut pas qu'il. Il ne faut pas gagner une série de contradictions dans le bagage, puisque je ne suis pas préparé premièrement pour être capable de venir faire et je ne suis pas jamais voir le discours que par un interprète, donc je ne suis pas en possibilité de faire. Donc, c'est un coup, médecine, il y a des médecins qui sont spécialistes dans différents domaines médicaux, et c'est le même genre pour interpréter. Dans les années 80, il y a eu une publicité qui a été faite pour. C'était pour une machine qui était relève, quoi, c'était. Audi, et puis il était accusé que Audi c'est ton machine qui a pesé frein, il a accéléré. Donc, compagnie Audi était obligé de faire une série de spécialistes ingénieurs allemands rentrés aux États-Unis pour capable témoigner dans un procès qui a été fait contre Audi. Et bien, ça qui est passé, c'est que le procès a été retardé parce que il était obligé de prendre des interprètes anglais-allemands, voyez dans la maison Audi pour comprendre qui genre que le système fonctionnait dans une machine. C'est pas bagaille qui était vraiment facile, mais pour interprétation légale, c'est même bagaille parce que sous pas gagner une parfaite connaissance de système juridique américain tant au niveau étatique et au niveau fédéral. Au niveau fédéral, c'est toujours même non, mais au niveau étatique, il y a certaines nuances entre états, et ben on a bien pile problème pour capable interpréter dans le domaine ça. On va devoir parler tous les deux langues, mais sous pas une spécialisation de termes légaux, eh bien, ou pas capable vraiment d'interpréter. Et map de spécialisation, son bagage pour comprendre tant qu'on veut de l'eau. Parce que ça fait me songer, propre parler de Audi et, ou bien Audi, ou bien machine ça, ça fait me songer le grand procès de Nuremberg. Et donc, c'était une période côté que où tu as besoin des traducteurs, pas seulement de l'allemand à l'anglais, mais c'est pour la première fois dans l'histoire moderne que on pral gagner un procès qui mandé pour que et accusé et moun qui dans kiosque capable comprendre une autre, et ceci au niveau global. Naturellement, ça qui est beaucoup plus important pour nous journée aujourd'hui, hein, c'est comment pour un moun qui gagne maîtrise de langue, tant qu'on dit on parle de anglais et créole de façon bien spécifique, s'il voulait faire ça avec nos métiers pour lui, qui démarche, qui s'allie pour le faire, Philippe Dumoulin. Bon, alors, et en premier lieu, on n'est pas obligé de gagner une formation spécifique dans le domaine de l'interprétariat. Mais alors, parce qu'actuellement, on n'a pas aucune école qui enseigne l'interprétariat légal pour créole haïtien. Par contre, il faut me dire que pour français, et ensuite, pour l'autre langue, notamment espagnol, qui c'est la première langue principale que ont utilisé tout en Floride, ce sont des langues qui sont déjà établies parce que y a des écoles qu'on peut aller pour capable apprendre. Et puis tout, ou bien des une série de cours qu'on doit apprendre pour capable venir apprendre qui ça qui gagne dans l'interprétariat pour venir interpréter. En général, il y a plutôt que c'est un monde qui parler anglais et créole couramment, et là m'a dit couramment, mais pas parler de ça, relé une série de parleurs qui héritaient langue. Bon exemple qui ça me donnait par un parleur qui héritait langue. On nous dit que un petit monde t'est venu, il t'a gagné 5 ans aux États-Unis et puis le arrivé, il était resté dans caï. Maman papa pat là et puis on voyait petit monde ça à non gadri, peut-être dans le voisinage, côté que moun nan espagnol que parler dans petit monde ça après grandir avec espagnol créole parce que la parle maman la papa. Mais très souvent dans contexte haïtien, c'est que grand toujours dans kaila et c'est en général grand qui était avec timounio et qui montrait timounio parler créole. Donc ça va dépendre, est-ce que timoun ça est-ce que lui capable parler créole là comme ça doit. La parle pas en créole qui peut être limité parce que grand pas capable parler sous tout causé avec lui. Ça c'est ça relé yon parleur ou bien encore un monde qui parle une langue mais que lui hérite langue là c'est pas une langue que lui vive que grandit la donne alors que moi même avant grand créole langue nous grandit avec l'école nous parler dans carnaval dans tout contexte nous toujours entendre monde à parler créole donc il faut une connaissance qui approfondie ensuite il préférable pour un monde gagner un baccalauréat
ou bien encore peut-être une licence en anglais, c'est ça, les bachelor degree, c'est ça qui est préférable. De toute façon, et l'État y a un test que y a administré. Donc, premier ça vous fait, il faut qu'on capable de contacter le bureau administratif État où tu habites. Maintenant, lors aller toute bagarre sur Internet, il faut qu'on capable ouais qui côté que y a gagné service pour certification d'interprète. Là, y a pas le météo dans Tallahassee pour la Floride, mais chaque État, donc au moins du, y a un bureau administratif général. Et leur contacté, yo ba ou une forme pour remplir, ça et pour un séminaire de 2 jours pour aller là-dedans. Mais qui ça séminaire ça a fait? En réalité, séminaire ça, li simplement ba ou yon aperçu sous travail interprète là, au point de vue langue, au point de vue système, au point de vue éthique, pour montrer qui ça et qui responsabilité yon interprète gagne. D'accord avec Roosevelt, que si vous accusé de crime et qu'on pas parler une langue ou certainement pas vle bon interprète qui pas capable utiliser tous les 3 formes d'interprétation yo. Parce que interprétation li tan kou yo fil pou 3 zan rien, il y a plusieurs branches là-dedans. Première branche c'est ça relé interprétation à vue. Qui ça me donne interprétation à vue ou bien interprétation visionnée. C'est-à-dire que si ou gagne une attestation de yon moun par exemple que le voyez bah ou et puis tribunal là besoin qu'on ait qui ça gagne la donne et attestation ça écrit en créole naturellement yo pral remettre document ça à interprète là yo pral dire pour le capable lire dans tête li et pour le capable dire à haute voix en anglais qui ça gagne la donne li capable vice versa. C'est premier aspect qui gagne dans interprétation visionnaire. Ensuite pour venir ça relé interprétation consécutif là. Naturellement, interprétation consécutive, ça, c'est ça, majorité dans le monde fait, quitte yo c'est professionnel, quitte yo pas professionnel, parce que yo coûte ça, yo dit d'abord, segment, et puis yo interprété. Mais au niveau légal, je vais te la changer, parce que ou pas capable ajouter, ou été, modifier, ou bien encore, dire une série de bagailles qui pas existé du tout dans le message que t'es tendé à. Donc ça, sont l'autre faculté que lié tout, il y a des moyens. Et puis ensuite, il y a ça, l'interprétation simultanée. Qui lui-même, c'est une interprétation que l'interprète l'a fait, le tribunal. Et interprète ça, lui fait lui, le c'est membre tribunal qui a parlé entre eux et que accusé ou bien moun pour ça l'a interprété a pas fait partie de conversation. En l'occurrence, c'est-à-dire, si Ushita avait et que juge là a parlé avec avocat ou là, interprète là lui-même l'a interprété simultanément tout ça que l'étendait que tous les deux parties ont dit. Alors, le juge là et une autre partie, c'est ça une interprétation simultanée. Donc, c'est 3 parties ça qui importe. Alors, ça m'a retenu dans ça qu'on dit là, Philippe Dumoulin, m'a retenu que d'abord, pour mon binon interprète professionnel, il faut qu'on ait un certain intérêt dans la langue. Dans 2 langues de base que vous pouvez interpréter, il faut que vous ayez un intérêt personnel. Deuxièmement, il y a un canal pour passer, dépendant de l'état que vous avez, il faut que vous cherchiez qu'on ait exactement qui ça que vous demandez pour venir, qui requirement, si vous avez utilisé Moussa, et qui. Exigence. Exigence qui gagne. En d'autres termes, qui marche à suivre, qui étape. Pour passer, pour arriver dans ça. Et première, on dit qu'on séminaire, et peut-être séminaire ça, c'est pas lui-même qui prend le faux vin interprète là, c'est pour bas où on aperçu, c'est pour bas où on gros longue vue de qui ça est métier à amender, et il y aurait les lits peut-être, d'après moi, son façon pour orienter ou pour carré qui serait peut-être son séminaire d'orientation. Et on dit moins que son gros toile à rien. Et en dedans, toi, rien ça, il y a 3 gros sous table branches qui kembe et qui kembe sous table tout fil ça ensemble côté arrière lui-même la paix fait la circuler et circuler et circulation ça il fait d'abord interprétation à vue, ça veut dire en anglais ou ça comment on le ça en anglais sight interpretation. Et puis après, nous parler de interprétation simultanée, ça veut dire ou parler, ou camper. Et puis moi-même, moi redis, ça dit en langue pour l'autre pour nous comprendre. Et puis l'autre là lui-même, c'est
c'est interprétation consécutive. Alors, attention, interprétation consécutive, là, ça, c'est là, il y a adressé moun qui pas parlé anglais directement. Donc, il a posé une question du début à la fin. Donc, question, c'est capable une question concentrée, tant que capable une question simple. Donc, interprète la lui-même, il faut que le capable de détecter exactement la différence qui gagne et différentes nuances qui gagne dans la question pour le capable d'interpréter sans pas ajouter, sans pas ouéter, sans et correctement tout au point de vue de la meilleure question que vous posez maintenant. Il y a des techniques que vous développez pour capable atteindre le niveau ça. Naturellement, ce n'est pas des techniques que vous venez apprendre du jour au lendemain, mais alors, sous bon intérêt foncier dans le domaine, vous êtes capable vraiment d'atteindre, puisque l'exercice est là, mais pour un peu de monde, vous dites, ah, mais l'interprétation simultanée, ça va être difficile. Moi-même, je dis que dans la carrière, moi, c'est pas ça me trouver, ça qui est plus difficile là, c'est interprétation consécutive là, parce que lui-même lui demande une certaine précision et un effort de mémoire qui est assez considérable, parce que il faut qu'on capable songer textuellement tout ça que il t'a dit dans message là pour que ou même ou capable interpréter dans langue ciblée là. Donc dans ce stade ça, il y a des mesures, il y a des techniques de notes qu'on prend. Mais là, on va parler de notes, on va parler de notes qu'on prend en tant que l'école ou les professeurs à parler pour courir écrit. Non, ce n'est pas le genre de notes que je vais parler. C'est peut-être des, une note qui est plutôt mentale et notes qu'on prend ou simplement écrit des symboles qui sont capables de songer qui ça que vous avez dit. Je ne sais pas si vous connaissez dans le théâtre, dans la coulisse, il y a des souffleurs. C'est-à-dire que c'est de monde qui derrière et qui simplement souffle les premières phrases là à acteur et puis là ça arrive une songer. Et ben c'est même phénomène là pour interpréter. Mais moi-même moi pas songer dans le théâtre, moi-même moi songer dans l'école primaire, l'aime t'apprécier tes histoire, géographie, sciences, instruction civique ou tes gon paquet de bonne et dépendant de qui ça ou préparer moi-même avec zami moi Pierre. Si m'étudier histoire, je dis à monsieur étudier géographie. Donc là nous camper là nous camper monsieur si c'est histoire au bon. Eh bien monsieur a soufflé l'histoire, ça veut dire c'est un jeune en Italie que n'a qui Christophe Amir. Et puis si c'est géographie, qu'on dit à l'a dit l'espace haïtien. Donc en d'autres termes nous souffler à c'est on est guidé d'eau cap bon question très très bien. C'est ça. Moi, en général, moi, ça son booster que y aura. Son booster, voilà. Voilà, mais... Bon, booster, et, même. Et, si nous ne l'arrivons pas pays, comment on a dit? Booster, bon, mon cap, ou pas mon cap, bon, mon cap, bon, cap, on l'arrive. Mais en réalité, nous ne l'arrivons pas pays, ou pas de ce booster, parce que toute ma chambre est sous cloche. C'est sous clutch machine. Seul bagage, si machine n'a pas qu'à start et que son automatique, il m'a dit qu'il n'y a pas de câble là. Ouais, donc, il faut utiliser le câble là. Bon, mais c'est ça. C'est ça, bon, mais c'est ça qui est la première technique là. En fait, du coup, créole là, c'est une langue qui est assez fascinante. C'est une langue qui est relativement jeune. C'est une langue qui fait pareil. Comparé à l'autre langue qui gagne en Europe. Yo. Et c'est une langue qui gagne origine. Entre les pays de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Angola, et qui gagne souci entre langue Évé, Fon et Yoruba. Ça veut dire sauter loin. Mais pas loin. Voilà, il saute loin. Mais gagne un autre bagage que moi t'en ai dit sous interprétation. Parfois, gagne des concepts que ou gagne doit pas capable d'interpréter littéralement, parce que l'interprétation, c'est pour bagarre littéral, mais ou bien doit interpréter, ça ou bien doit relayer une approche d'explication. Par exemple, si ou moun a parlé avant, et puis li dou, ah, mon cher, tout voum, c'est d'eau. Son, vous connaissez, l'angle noir, son langue qui est très imager, c'est une langue qui vient puis proverbe là-dedans, donc il faut qu'on connaisse équivalent proverbe autour en anglais, peut-être qu'on pas connaître tout, mais il faut qu'on capable connaître. Mais d'une autre part, anglais a son langue qui vient en pile expression idiomatique que il faut qu'on capable maîtriser comme ça doit et puis tout vocabulaire légal là qu'on connaît. Parce que c'est pas toujours un bagage qui est aussi facile que ça, mais la bonne nouvelle c'est que on apprend une fois. Et quand on finit qu'on est, c'est toujours même moyen qui toujours retourne.
Non, ça est extraordinaire. Là, m'apprends langue anglaise. Dépendant de côté m'tombé. On dit par exemple dans le tribunal là, c'est un monde qui sorti dans zone 6 Trump dans Fort Lauderdale qui c'est une zone pour monde si m'ta ka comparer de ka comparer là en côté en bas la ville là. Et monde ça, il peut pas les mêmes gens avec un monde qui c'est un professionnel qui parle anglais. Gen moun ki pale anglais a, dépendant you know le anglais ghetto bien anglais et sou tavle slang. Oui. Est-ce que ou même en tant qu'interprète vous supposez comprendre slang ça ou tout? Absolument. Non seulement faut connaître slang mais ou connaît ou langue pas été statique, une langue continue à évoluer. Soit là il dit une expression côté qu'on est en l'ordre dans Canada, il y a pas aucun mot pas capable faire expression ça yo. Ou bien passé oui là. Ou bien ou bien oh ça qui passe diable. Ou pas attendez ça encore mais qu'on est sur question de gérer est-ce qu'on gérer ça ou gérer ça donc toujours avec chaque génération bon terme qui vient paraître qui changer tout mon aspect même grand du bagage. Dans les années 80 le body politique de fait débarquer, c'est vinn bon problème parce que américain plutôt autorité américaine nous avons besoin de joindre une série de monde qui était capable d'interpréter pour segment population haïtienne ça. Mm-hmm. N'est pas vraiment facile pour eux pour être capable de joindre. Mm-hmm. Ça c'est première fois que je devine que des gros problèmes de langue. Mais alors, je devine joindre monde qui était capable de parler tous les deux langues qui était travail comme interprète bon gré malgré mais jusqu'à l'année 1994, c'est un travail ou bien une profession qui pas régularisé. C'est-à-dire que si yo te fort par son test anglais yo te parler anglais très bien, puis le monde qui parle créole très bien, il fait Roosevelt par son test et que yo Roosevelt parle créole très bien, automatiquement comme Roosevelt parle anglais bien, Roosevelt parle créole bien, Roosevelt gain capacité pour capable interpréter ce qui est archi faux. Mm-hmm. Archi faux. Mm-hmm. Parce que c'est un travail qui mande une concentration extraordinaire. Yo fait une étude dans le domaine d'interprétation, parce que forme du que son travail aux États-Unis que il pas vraiment reconnaître parce que pour non croyance générale là c'est que j'aime dire parler une langue parler une deuxième langue et on capable d'interpréter mais c'est pas vrai. Alors le où dit les archifaux sous table archifaux tellement les vignes rivées et loin ou besoin de deux bases ça oui mais ou besoin l'autre soft skills ou bien l'autre habilité que seulement parler deux langues. Ça veut dire que si ou jeune homme qui parle anglais ou jeune homme qui parle créole et ou non situation tant qu'ou ou traverser frontière à Canada américaine, j'en ça t'est arrivé dans Capaou, gon madame qui t'est bus là aller, eh bien ou facilité quand même c'était on habilité et que ou t'es gagné kounye après même dans la même étape ça met la gonne au tribunal et puis gonne que y accusé que li touye intel et que kounye ou pral ran communication k'ap sorti dans main juge dans main jury dans main défense pour faire que ou ran ni pour ban moun sa on habilité qui égal pour rendre ça à lui-même, lui demander un autre niveau qui dépassait niveau la rue. Puis, tu as un mauvais avocat ou pas un mauvais interprète. Même quand l'explique pour qui ça, ou même particulièrement, ou tu es capable de faire un interprète extraordinaire, même quand l'explique pour qui ça, parce que, non, c'est vrai, parce que ou bon faculté de rétention qui est spectaculaire, et ou bon faculté tout, d'analyse intellectuelle qui aussi extraordinaire ou capable de tendre un bagage et puis peut-être le monde fin parler fin dit pendant peut-être 15 minutes et puis ou capable bailler un résumé de tout ça monde n'était capable dit donc ça veut dire que pour capable un bon interprète faut fouiller après tout et faut avoir connaissance générale il y a pas demandé un métier pas un métier pendant de base c'est naturellement métier journaliste métier ça ne les un anchorman c'est ça le fait il facilite conversation voilà. Donc c'est pas seulement on parler faut qu'on attende et là autant de dans oreilles ça il passe non filtre ouais. Et puis qu'on y a vienne sortir et tout filtre ça après temps fin attendre ou m'apprendre non mais on après temps partager avec l'autre pour m'apprendre et sans compter effectivement c'est une habilité qu'on ou gagner non plus pour bon parler mais tout pour m'a penser à zanmim ça k'ap coûter nous là pendant que l'ap coûter là est-ce que
te gon moment te ka te gon di on ti distraction même j'aime même pendant ma poto la là m'ka penser on l'autre bagaille. Donc ou toujours besoin font wake up de refaire ça ou recentrer bal là pour que moun a tout pour service zami sa k'ap gade nou la kounya ou bien k'ap koute nou kounya la Philippe Dumoulin. Obligatoirement, il faut qu'on capable fouiller à porte pour faire un travail pareil. Et moi, je vais expliquer pour qui ça. Parce que faut capable aller dans le livre, faut qu'on fasse recherche. Et il faut qu'on prenne aussi compiler recherche ou yo et utiliser yo à bon escient. Je vais m'expliquer. En général, l'oral font car il n'y a pas jamais vraiment dit qui genre de cas que qui est ce qu'on la donne. Il va dire simplement que son cas immigration et puis c'est un cas côté monde pour aller parler de raison qui fait que le dadou est arrêté parce que les gens ont peur qui fait que le parler retourner dans le pays. Ça, c'est un exemple que je vais vous donner. C'est que l'homme on arrivé là par la voie et puis il dit oui pendant nous t'es dans zone la mer et Hamilton t'es venu prendre mais qui ça qui Hamilton ou je pas qu'on dit ça qui c'est Hamilton ou pas capable d'interpréter le bateau blanc voilà c'est à dire que son bateau garde côte ça c'est d'une part maintenant si on n'a pas la voie et puis il dit ah et son expédition il était voyé derrière depuis Haïti donc qui ça qui c'est expédition parce que dans interprétation il faut qu'on parfaite compréhension et connaissance de la culture de pays que toi parler. Mm-hmm. Par exemple, si Américain dit it's a catch 22, ou pas contre qui ça qui c'est it's a catch 22, mm-hmm. ou pas donc le problème pour capable interpréter. Et c'est pour ça moi dit que moi ouais on est comme t'as interprété pour lui et puis me t'as interprété simultanément puis quand même. Il dit avocat besoin pas la belle. L'erreur là l'avocat lui dit information qu'on bail là là il pas correct mais qui j'en bagaille là t'est passé en réalité ou t'est mal comprendre ça m'a dit là c'est pour ça me dit plutôt bon mauvais avocat ou pas un mauvais interprète naturellement et c'est un exemple extrêmement bas parce que là ça ou vinn moyen ou vinn pont qui permet une circulation de compréhension faite par rapport à partie qui parle anglais et moun ça qui défend tête lui mais c'est pas seulement pour cas criminel. Dans le cas civil, tout, il y a deux filles qui ont un problème avec Mario, et puis vous voyez dans le tribunal, Marie a fini, la fille a parlé, il y a une qui dit que ça, Marie m'a fini, elle a dit, mais roulez-moi, babaton. Je lui ai dit, mais ok, donc dans le cas ça, nous allons aller prendre des sanctions contre lui, et moi, je pensais que, souvent, nous allons porter des accusations criminelles contre lui, tout, en plus d'accusations familiales, là, il va mettre dans le cas là, mais il y a une prison, il a dit, oh, bon, on met dans la prison, qui est-ce qui peut payer le loyer là? Donc, automatiquement, le m'interprète, le juge l'a regardé, il a comme dit, mais qui sont vrais? Mais c'est ça, Mabdou. Nous-mêmes, nous pas seulement faire interprétation, nous aller plus loin. Nous, c'est des interprètes de culture ou tout, parce que si vous ne comprenez pas tous les deux cultures, vous n'êtes pas jamais capable d'interpréter les gens pour faire ça. En d'autres termes, il ne suffit pas de rendre seulement les mots. Il faut que nous rendre qui contexte qui est derrière les mots. Et c'est ça que nous apprenons avec Philippe Dumoulin, Jodia, dans la deuxième conversation, ça a parlé de métier professionnel interprétation, qui s'allie, quand il sorti, comment on a fait, dans qui zone courrier, qui démarche, que vous avez poursuivre. Et nous connaissons que nous parlons de trois types d'interprétation et nous souhaitons nous capables de prendre temps pour que nous rentrions dans des exemples pratiques de trois kasayo, de façon pour que ou même si vous voulez, sou déjà gen talent dans deux langues, sou gen habilité ko remen et sou ta vle ren communication entre deux moun mettez à même niveau, eh bien ça c'est des opportunités qui existent que ou même ou capable. Philippe, pour nous finir, qui opportunité on dit que au monde intéressé à venir en interprète, lui fait des manchots. Qui opportunité, qui business, pour qui ça, naturellement, lui personnel, pour qui ça. Mais en termes de professionnel, en termes de job, en termes de. Qui opportunité qui gagne pour interprète? Question ça, il y a deux volets là-dedans. Je vais répondre avec tous les deux volets pour parler qui est opportunité. Bon, alors, première opportunité, hein, c'est que, tant qu'au moins du gagne un manque d'interprètes interprètes créoles notamment dans la communauté haïtienne qui c'est communauté dans sud Floride qui c'est communauté dans New York qui c'est communauté dans New Jersey Boston Massachusetts ou bien encore qui que c'est dans communauté qui dans Atlanta naturellement tout côté qui gagne pile haïtien
c'est en général côté que besoin plus interprète maintenant. Et première opportunité là, c'est que ou capable garder pour être si gain des positions qui disponibles pour capable travailler avec tribunal yo, parce que tribunal yo notamment tribunal dans Broward et tribunal dans Dade employer des interprètes haïtiens à plein temps. Et eux-mêmes, yo, c'est des salariés de l'État et ils gagnent tout bénéfice pour les tout. Ça, c'est d'une part. Mais alors, ou bien ça y aurait les interprètes qui sont contractuels. Lui-même, une fois qu'on passe le test là, ils mettent nom sous un annuaire que le tribunal là mettait à disposition tout juge, tout avocat. Et puis, depuis une zone, besoin d'un interprète ou bien un avocat, besoin d'un interprète, il y aurait l'eau dans le téléphone pour regarder pour être capable d'une interpréter pour eux. En général, nous avons demandé un interprète de aller soit dans le tribunal. Et si son procès, et que le procès a duré une semaine, eh bien, on va travailler pour une semaine. Mais comme il y a un pile haïtien qui gagne des démêlés avec le système légal là, quand on a un pile qui parle de dire, ah, c'est une question de crime, non, il n'est pas nécessairement un crime. C'est-à-dire qu'il y a un pile accident qui fait. C'est par exemple que y a besoin d'un interprète pour capable venir faire une déposition dans le bureau avocat, je parle de un interprète certifié parce que la loi mandé pour que quel que soit domaine légal qu'a fait là et que bon monde qui parle mon langue, il faut qu'on bali un interprète qui est certifié par l'État. Donc ça c'est déjà une grosse opportunité que lié. Moi-même moi j'ai travaillé à un moment donné en tant qu'interprète contractuel, moi j'étais qu'on a le Fort Myers tout le temps, j'étais qu'on voyait différents côtés. Mais ça qui est intéressant dans le métier, ça, c'est que ou pas seulement limité à la Floride. Par exemple, si on est dans la Georgie, besoin d'un interprète créole et que vous n'êtes pas capable de jouer une qui est disponible en Georgie, vous avez un rôle, quel que soit le côté où il y a. Parce que, une fois qu'on passe le test dans un état, vous gagnez possibilité pour capable travailler dans n'importe qui état. Mais alors, il faut que nous prenions samedi à là avec une certaine restriction parce que, il y a certains États qui ne peuvent pas réciprocité ça obligatoirement. Mais une fois qu'on certifie dans un État, on est techniquement capable de travailler dans n'importe quel autre État. Ça, c'était le premier, deuxième volet. Et moi, je vais dire, il n'y a pas besoin seulement d'interprète pour capable d'interpréter dans le domaine légal. Il y a besoin d'interprète pour capable d'interpréter leur conférence. Il y a besoin d'interprète pour capable d'interpréter leur une série de fonctions qu'ils ont faites. C'est-à-dire que si son dignitaire qui a privé, par exemple, on peut offrir un président, un ambassadeur, ou bien n'importe qui qui a fini pour venir parler, il y a quelqu'un qui est toujours capable de faire ça, il y a un interprète. Et c'est pour ça que je dis que l'interprète, ce n'est pas n'importe qui, c'est un monde qui suppose gagner une connaissance globale et générale de tout bagaille. Avec Zabino Philippe Dumoulin, nous t'avons parlé aujourd'hui de comment pour venir interprète professionnel, comment poursuivre des marches et nous souhaiter que ou apprendre. Mais ça beaucoup plus important, c'est que si ça t'a intéressé, ou capable de faire suivi à tout ensemble avec Philippe, parce que c'est un monde qui passe dans minefield, dans terrain miné. C'est moun sa qui sorti de l'autre côté vivant, li même li kadou côté pour mettre pied ou et comment pour arriver passer même j'en li même li te passé. A son moun besoin service ou Philippe, rapidement, comment pour arriver joindre nous? Naturellement, on a mette en bas là tout, même d'amour répéter le même. Voilà, yo capable contacter sous adresse courriel moins, ça relève email là, fildumoulin@yahoo.com. Moi gagne un coup que moi bail, c'est un coup qui est sur période de 6 semaines, c'est-à-dire que moi sélectif par rapport à monde qui capable prendre pour ça, c'est-à-dire que c'est un coup qui très intensif tout et pendant 6 semaines ça moi couvrir système légal là, moi couvrir interprétation à vue, moi couvrir interprétation consécutive et simultanée. Et ça c'est d'une part, mais on monde pas obligé prendre un coup avec, on est toujours capable guider quel que soit monde. Non, gagne l'autre façon tout pour gagne droit venir travail pour compte pour capable venir interprète. Par exemple, il y a des livres relé à Sibo du que Oli Mickelson qui c'est lui-même yo considéré comme une plus grand interprète de nos jours qui lui-même y écrit un livre côté que lui expliquer ou comment pour capable faire interprétation simultanée consécutive et interprétation à vue avec des CD et avec des moyens. Donc avec nouveau système que nous gagnons connait il n'est pas difficile pour capable entraîner un monde avec interprétation dans le domaine d'interprétation parce que ou bien doit acheter à la caillou et puis moi-même moi faire quoi dans internet avant pendant que m'a regardé même j'en a fait interview là. Donc nous avons des moyens techniques extraordinaires qui pour capable permettre à
profession ça pour l'autre essor, parce que très bientôt interprétation la caillou la prêter, il pas besoin voyager pour ça, il a simplement besoin de mettre le devant et comme il a interprété pour monde la interprété à quel que soit côté besoin là. Philippe Duboulet, on l'autre fois encore merci en pile. Non pas moi Roosevelt Jean-François, c'est un plaisir pour te partager avec vous. Il y a une conversation qui est capable d'utiliser. Si ce n'est pas vous-même, partagez-la avec l'autre monde. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.